Salut tout le monde, ici PH pour Stacker.ca et nous sommes présentement live pour le break numéro 6262 dans notre formule plein pas plein. Laissez-moi une petite seconde, il y a une boîte qui me fatigue, elle a un reflet là, un gros reflet. Et voilà, regardez-moi ça, c'est-tu pas beau, c'est-tu pas merveilleux comme on dit par chez nous. Alors, en ce beau jeudi soir 20h, nous sommes live pour le break qui contient une série 1, une série 2, 2021. Une SP Authentique 1920, SP Game Used 2021 et une OPG Platinum 1920. Et le résultat de notre plein, eh bien, une place sera attribuée au hasard à tout le monde. Ben pas à tout le monde, mais à une personne du moins, parmi tout le monde. Salut Jeff, hello. Alors... écoutez, sans plus tarder, parce que je sais que vous êtes excités à l'idée de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes. Moi, je me peux plus. Ça fait deux jours que j'ai pas ouvert une boîte en break. En fait, c'est pas vrai. Avant hier, j'ai ouvert des personal box. Mais en break, je n'en ai pas fait. Donc, j'avais très hâte. Et ce soir aussi, n'oubliez pas, à 21h30 prévu, il y a le break de baseball numéro 65. Ça fait un bout qu'on n'a pas ouvert du baseball. Alors, on est dû. On est plus que dû, puis je vous dis là, plus que dû, les boîtes, je les sens bien là. 15 autographes, si je ne me trompe pas. 14? 12? 14! 14 autographes. Dont deux produits de Leaf 19 et 20, le Leaf Flash et le Leaf Ultimate. Salut Florence! Allô! Et nous avons une Stadium Club Chrome. Très beau produit 2020, unique. C'est la première année qu'il sortait. Et nous avons également une boîte qui m'échappe 30 secondes. C'est quoi donc? Quoi l'autre boîte? Ben, j'ai un blanc. Mais je sais qu'il y a une autographe dedans. Ça, je suis sûr. Voyons. Il est là, là. Je les vois pas. Ah! Oui! Inception! Inception. Ça, c'est cool. L'Inception, 7 cartes. Une auto, mais souvent, c'est une auto ou une autopage d'un joueur recru ou d'un joueur en devenir. Ils appellent ça les Future Stars, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Alors, je vous rappelle la formule très rapidement. On y va avec 31 places. Merci, Marc-André. Yes, une chance, t'es là. à retardement, mais si je ne m'en serais pas rappelé, j'aurais pu dire « Ah! Marc-André est là! » Interception aussi, mon Frank. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, avant de faire les randoms, je vous avais dit, Canadien en série, PH, CH. Je garde mon Canadien sur le dos et la casquette à chaque break de hockey, tant que le Canadien est en série. Go, Habs, go. Prends rétablissement aussi à Jake Evans. Alors, je ne sais pas si la sentence de Mark Scheifele a été annoncée. Quelqu'un m'a glissé subtilement à l'oreille, ou plutôt dans un messenger, mais bon, grâce à mes yeux, que la sentence de Mark Scheifele serait probablement de 4 matchs. Est-ce que c'est vrai? C'est un insider qui m'a dit ça. Alors, ouais. Ah, c'est sorti? Bon, ben c'est ça. Bravo, hein? Alors, si c'est le cas... Monsieur Insider, tu te reconnais. Je ne sais pas si tu es dans le break. Je ne crois pas. Mais si tu es là et tu me regardes et que tu te reconnais, good job. Good job. Mon Insider avait raison. Il me l'a dit. Il était dans les alentours de 18h. Je ne l'ai pas cru. Je ne voyais pas de source. Mais il m'a dit, j'ai des sources. Alors voilà, vous l'avez su en premier sur les ondes de stack.ca. 4 matchs, Mark Scheifele. Bon, ben, c'est une bonne chose parce que le Canadien va gagner au maximum en 5. OK? Alors, let's go. On sait la meilleure façon de se venger. Pour nous, ben, l'important, c'est d'ouvrir des boîtes, de frapper des grosses cartes et. Oui, Jérémy, nous venons d'en parler il y a quelques instants, mais merci de la confirmation. C'est dommage, mais pas tant parce que, comme je vous dis, le Canadien va gagner en 5. 5 matchs. Ça a été dit ici, ce soir. Alors, on va y aller. Alors, parmi les 30 personnes, ou plutôt les 30 positions 1 à 30, il y aura 3 brassages. Le nom qui remplira l'espace du 31 gagnera une place tout à fait gratuite pour s'être inscrit au break de ce soir. Et après ça, 3 fois de brassage pour les équipes, 3 brassages pour tous les participants et participantes. On match les deux listes et vous avez une ou des équipes qui vous sont attitrées. On ouvre les boîtes et on vous envoie le tout en 24 heures promis ou c'est argent remis. L'arrivée est chez vous pas en 24 heures, mais moi, je vous jure qu'on fait notre possible
pour tout faire en 24 heures. Alors, on y va, on y va, on y va. D'ailleurs, il vient de m'écrire en privé, donc tu viendras me regarder si c'était là, Max. Oups, j'ai dit ton nom, mais il y en a beaucoup des Max. Fait que... Alors, Max Lunsider, c'est un départ pour tout le monde. Je vous souhaite la plus grande des chances. Pour la place finale, le 31e droit d'entrée, oui, pour le break numéro 62, ça peut des fois prendre quelques instants. Encore une fois, il va falloir que j'en parle avec mon équipe technologique, puisque généralement je clique et ça se fait instantané, mais pas là. Alors, ben, des fois, avec 2-3 clics, ça va fonctionner. On va juste recliquer ici sur le bouton. En attendant, ben, laissez-moi juste vous dire que nous apprécions énormément votre participation, votre présence. On est toujours extrêmement heureux de vous compter parmi nous. Et miaou. Minou, excusez-moi, petite joke très plate. Alors, voilà, est-ce que la petite machine va se mettre en branle? Allons-y, allons-y. Non? Ça me tente quasiment de la faire danser au rythme de la musique. La barde. La barde, oui, une belle barde. Comme le personnage de Astérix, le barde. Mais en effet, je garde la barbe. Ma moustache, je pourrais la couper un petit peu, là. Mais la barbe, on va la garder en attendant que le Canadien est en série également. Ah, ben oui, la barbe. Alors, est-ce que je vais devoir cliquer sur un troisième bouton? Forward party. On ramène. On revient et on clique à nouveau. C'est pas la première fois en peu de temps que ça me fait ça. Alors, j'y vais pour le coup final. Ça devrait être bon. On devrait voir ça arriver dans quelques instants. Si la machine veut bien coopérer, je ne sais pas si c'est vraiment la communication avec le site de random.org qui peut avoir un léger problème, mais ça fait quelques fois ces temps-ci que ça se fait pas immédiatement. Et voilà, c'est un départ. Alors, on y va pour 3 tours de brassage parmi les 30. Position. Et du premier tour, nous avions Johan. Allons-y pour le deuxième tour de brassage. Au barbare des séries. Ouais, je suis un vrai barbare. Marc-André au deuxième tour. Et le troisième et final tour. Et le gagnant, Marc-André. Matt3M. Félicitations, Marc-André. Tu te mérites une place tout à fait gratuite grâce au hasard de la machine. Alors... 31 places sont maintenant prises et on y va avec le premier tour de random des équipes de New Jersey à Ottawa. Deuxième tour de Calgary à Caroline. Et on y va avec le troisième tour. Qui sera la première et la dernière? Les Flyers et le Lightning. Donc de Philadelphie à Tampa Bay. Maintenant, on y va pour nos participants et participantes. Des chances à vous de Jonathan. À Marc-André. Et cette fois-ci, c'est un Marc-André. Tap. Et on va prendre Marc-André 2. Deuxième tour de Pierre à Florence. Et on y va pour le tour final. D'Alexandre à Marc-André 2. Et c'est un départ. Alors, la liste est complétée. Les résultats. Je vous l'indique juste ici. Vous voyez le premier. A un code de chiffres, ça veut dire que vous pouvez corroborer le résultat via le site de random.org. Quand vous voyez le petit secours ici en haut, c'est malheureusement à cause de la mauvaise communication avec le site de random.org. Donc, c'est notre roue de secours. Oui, oui, notre roue de secours, on l'a appelé comme ça, qui fait le random. C'est une machine tout à fait indépendante, un peu un même logiciel. Mais malheureusement, les tests ne sont pas consultables. Par contre, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, je peux vous envoyer les résultats sans faute aussitôt que je les obtiens. Alors, le hasard a décidé. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'essaie juste de voir parce que j'ai Pierre PH. Je trouvais ça comique. Je suis pas dans le break, moi. Pourtant, moi, c'est PH. Mais non, non, c'est probablement... Je peux dire ton prénom au complet, je crois que c'est Pierre-Philippe. Donc, si tu es là, Pierre-Philippe, salut. Ça se peut que je me trompe des fois parce que j'ai un autre Pierre qui embarque dans quelques-uns de mes breaks.
Mais par contre, lui, c'est RE. Alors, toi, tu partages le même début de prénom que moi. Moi, c'est bien PER et pas de RE. Alors, nous sommes cousins de Pierre en même temps. Et on y va. Passons au mode carte. Je vous ramène le mode détaillé affichant chacune des équipes que vous avez. Je ne vous ferai pas le tour exact de A à Z, puisqu'il y a quand même beaucoup de recrues. Beaucoup, beaucoup de recrues possibles avec chacune des équipes, puisqu'on touche à 2 années. Principalement, on sait qu'en 2020, 19-20, on a Cale Makar, Colorado, Quinn Hughes avec Vancouver, Jack Hughes avec le New Jersey, on a Ottawa, Kaprizov, je recommence, Ottawa, Stutzle dans la série 2, Minnesota, Kaprizov dans la série 2. D'autres équipes sont très, très potentiellement bonnes, comme Chicago qui score souvent de belles cartes, Pittsburgh également, on a Toronto. Et voilà mon autre Pierre, Pierre Pau, mon autre Pierre. Alors, tu as Toronto, une équipe qui frappe quand même bien. Washington est une bonne équipe et Winnipeg également, malheureusement. Hey, salut Simon! Salut Simon! T'es-tu dans le break? Est-ce que t'es avec nous? Sinon, ben, t'es le bienvenu quand tu veux, tu peux choisir ta place. Et si tu as besoin d'aide ou de renseignements, n'hésite pas à venir m'avoir en privé. Ça va me faire un grand plaisir de t'aider. Avec tout ça. Montréal, Romanov, Jérémy, tu as tout à fait raison. Montréal et Romanov. Alors, on va y aller tout de suite avec la série 1. Parce que ça me tente. Je vais juste mettre les boîtes du même côté. Alors, on va y aller avec la série 1. Dans l'ordre, série 2, on va faire la OPG Platinum, la SP Authentique et terminer avec la SP Game Used. Donc, il nous manque que notre podium de la gloire, le voilà, le podium de la gloire. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui affiche les meilleurs résultats de nos breaks. En général, ça va bien ici. Alors, j'espère qu'il sera plein. Et bonne chance à tout le monde. Eh bien, comment passer sous silence également les Rangers? Les Rangers en série 1, pourquoi pas? Rangers pour Aspect Game News et série 1. Peut-être même potentiellement quelques cartes disponibles dans la série 2 de Alexis Lafrenière. Donc, je ne peux pas oublier nécessairement les Rangers. D'autres bonnes équipes aussi. Pas parce que je ne l'ai pas nommé que l'équipe n'est pas bonne. Je prends par exemple les Islanders. Voilà. Les Islanders sont également une bonne équipe. Peut-être pas un top 5, mais certainement dans le top 10, avec des joueurs tels que Sorokin, Noah Dobson en 19-20 et l'autre que j'oublie toujours son nom. Comment il s'appelle? Noah Dobson et l'autre. J'ai pas Wotherspoon. L'autre, W. Je sais que ça commence par un W. Aidez-moi. Qui est cette recrue? Et en effet, mon Frank, Buffalo l'an prochain pourrait potentiellement avoir la mainmise sur un excellent joueur. Ben, parlant de Buffalo, c'est quand même pas mauvais aussi en 2021 avec Dylan Cousins. Hein? Très bon potentiel. Donc, boîte vide pour cette première boîte de 5 de notre break numéro 62. Je vous rappelle la plus grande des chances à vous toutes et vous tous. Si vous avez des questions, des sujets ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas, je suis disponible. Ouais, ben on pourrait aussi avoir une Laffy Clear Cut exclusive. Ça pourrait être très intéressant, ça. Alors, c'est un départ, tout le monde. Avec la première carte, Nikita Gusev, Canvas. Wallstrom, merci mon Alexandre, très gentil. Exactement. Oliver Wallstrom. Non, ce requin, je l'avais déjà nommé, mon Frank. T'es en retard. Je parlais de 19-20. Non, 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 c'est ça. Je parlais vraiment de Wallstrom et l'autre, là, que j'ai nommé plutôt Kirill Ustimenko. Ce n'est pas le Kirill de Minnesota, mais le Kirill de Philadelphie. Beaucoup ont critiqué, hein, à la sortie de la série 1, le fait que Alexis Lafrenière ne portait pas de numéro sur son chandail. Bien évidemment, on sait maintenant pourquoi. Mais c'est pas le seul, hein, de la série 1 à ne pas avoir de numéro sur son chandail. Lui ici, Kirill Ustimenko, n'en a pas. C'est même pire, il a un chandail de pratique. Alors, Young Gun ici, pour les Flyers de Philadelphie. Kirill Ustimenko, première Young Gun de ce break, sur une possibilité minimum de
12 des produits série 1 et 2 et potentiellement une autre dans le SP Authentique 19-20. On continue ici avec une autre. Boom! Pour Dallas, ça commence fort tout le monde! Here we go! Boom! Pour Dallas! Qui a les stars et Pierre-Yves! Oh my god! C'est un bon départ! Ah oui! Et on y va avec une Jason Robertson Jaloux pour les Stars de Dallas. Nice! Félicitations, Pierre-Yves! Ça commence bien la journée. Le break, ah ouais donc! Ah ouais donc! Jason Robertson, candidat au Trophée Calder de la saison 2021 de la Ligue nationale. Félicitations! Et oui, à Pierre-Yves pour cette merveilleuse Young Gun Jeune Lou. Ou si vous préférez version française. Parfait, mon Frank. Sans faute. À quelle équipe? Ça va m'aider à voir plus rapidement si c'est toi qui as frappé une carte. Des fois, il faut que je les cherche. C'est quand même petit. Ah, ok, t'as Vancouver. T'as Vancouver. Alors, Jason Robertson, Jeune Lou. Pour Dallas, félicitations! Yes, ça commence bien. Bravo! Oh, ça, c'est un signe qui en veut dire long, à mon avis. J'ai quelqu'un. C'est Kaprizov qui va l'avoir, le Calder? Ah, peut-être. En fait, t'as probablement raison. Mais ça prend toujours 3 candidats. Et quand même, d'être juste nommé parmi ces 3 joueurs, c'est quand même exceptionnel. Faut quand même se le donner. Là. Être nommé parmi 3 joueurs qui méritent un titre de joueur de l'année, peu importe son statut, que ce soit recrue, défenseur, attaquant, c'est quand même pas rien, comme on dit. Sébastien Aho pour les Hurricanes de la Caroline. C'est une predominant pour les Hurricanes. Alors oui, sur notre plateforme de YouTube, j'ai Pierre-Luc, excuse-moi. Il y a beaucoup des Pierres ce soir. Moi, j'en suis un également. Déjà, une autre Young Gun. Allons-y tout de suite avec Philippe Broberg. Très bonne Young Gun, ça aussi. Philippe Broberg, des Oilers d'Edmonton, pour Marc-André. Tu as tout à fait raison. En fait, je vais rapporter à peu près tout ce que Stéphane est en train de dire sur la plateforme de YouTube. Je voulais commencer par dire que Pierre-Yves, lui, nous suit aussi sur YouTube. Vous pouvez nous suivre également Twitch et les deux pages pour la page de Stack.ca et Stack, le groupe. Alors oui, Sorokin, non pas Sorokin, je recommence. Kaprizov, c'est un joueur qui a quand même 24-25 ans. Et oui, Romanov a également joué en KHL. C'est quelque chose qui arrive fréquemment maintenant, en fait. Faut pas se leurrer des Artemi Panarin de ce monde. Il risque d'en avoir encore des joueurs qui ne quittent pas leur patrie, qui restent dans leur pays et qui veulent jouer avec les meilleurs, sans dire que la KHL n'est pas bonne. Mais la LNH est quand même une des ligues les plus compétitives au monde en matière de hockey. Gabe Vilardi, Portraits rookie pour les Kings de Los Angeles. Alors oui, on risque d'en voir souvent des jeunes de cet âge-là, mais les règles sont assez vagues par rapport à qu'est-ce qu'un joueur recrue. Par exemple, je veux juste vous emmener un peu dans le monde du baseball. On a un joueur qui ressort un peu ces temps-ci depuis quelques matchs. Juste avant, Gustav Nyquist ici pour Columbus. UD Game Jersey, Gustav Nyquist. Je pense bien que c'est de même qu'il faut le dire. J'espère que Pierre serait fier de moi. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Au baseball, je ne me rappelle jamais de son prénom. C'est juste Yoelki, mais c'est pas Yoelki. Je pense que c'est Yoenis, quelque chose du genre. Mercedes, c'est un joueur qui était un catcher. Et maintenant, il joue plutôt comme un DH, donc un designated hitter. Ou si vous préférez en français, un frappeur de choix. C'est un joueur qui n'a pas de position, mais qui a quand même son rôle dans l'alignement pour frapper. En défensive, il ne joue pas. Alors lui, avant le début de la saison, 28 ans, n'a jamais joué un match professionnel.
Oh, on a une Young Gun Canvas. Et c'est Jason Robertson. Encore une fois pour Dallas. Ah ouais, down. Boom! Jason Robertson, Young Gun Canvas pour les Stars. Alors, pour terminer mon histoire sur notre cher monsieur Mercedes, 28 ans. 28 ans. Et il n'avait jamais joué en milieu professionnel. Par contre, il a un statut de recrue quand même, mais c'est pas un statut officiel étant donné son âge un peu avancé. Voilà, tiens, on va tout de suite tasser Miquist ici. Exactement, en fait, j'ai Stéphane qui confirme exactement ce que je m'en allais vous dire. C'est, il y a un âge, je crois que c'est à peu près le même âge entre la LNH et la MLB. Il y a des règles différentes, mais en grande partie, tant qu'un joueur n'a pas dépassé le cap du 26 ans, non pas 25, hein, c'est bien 26, il peut encore garder le statut de recrue s'il joue ses premiers matchs en territoire américain, si vous préférez, États-Unis ou Canada. Alors, on a une autre Young Gun, c'est Kiefer Bellows, solide boîte à date. Hein. Ça, oh ben, wow, what, qu'est-ce que c'est ça? Boum, 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 ça pète de partout, ah ouais, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Young Gun Canvas numéro 2. Je pense que j'ai jamais vu une boîte de série 1 ou 2 avec deux Young Gun Canvas. Je pense que vraiment, là, si jamais ça vous tente et que vous avez les moyens de vous permettre une boîte de série 1 2021, il m'en reste 4 derrière moi de la même caisse. Ça peut-être valoir la peine parce que la dernière que j'ai ouverte est assez exceptionnelle. 8 Young Gun en plus d'une Young Gun Lafrenière Canvas. Wow, Josh Norris Young Gun Canvas et aussi Kiefer Bellows Young Gun pour les Islanders. Alors je vous dis ça sous toute réserve, ça veut rien dire, je ne vous garantis pas que les boîtes derrière moi sont remplies comme celle-ci, mais wow, ça fait deux là, deux boîtes. Alors Kiefer Bellows Young Gun. Alors, je vous le dis juste à titre indicatif, on est rendu à 4 Young Guns. Non, c'est pas vrai. 3 Young Guns, 2 Young Guns Canvas et une jeune loup. Merci, Frank. C'est on l'a su un peu en début de vidéo, mais un grand merci pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, je vous le rappelle. Et oui, Mark Scheifele écope d'une suspension de 4 matchs. Une autre Young Gun! Ah ouais, donc, on n'y est pas. Et celle-ci appartient aux Jets de Winnipeg, Mikhail Berdin. Et oui, je suis en train de reprendre les lectures, et tu as absolument raison, on parle bien de Sergei Makarov, qui est le dernier joueur de la Ligue nationale à avoir eu le statut de recrue à un âge avancé. Et tu l'as écrit, je ne me rappelais pas c'était à quel âge, mais... ce que Stéphane vous mentionne sur la plateforme de YouTube, tant que je vous présente la Young Gun de Mikhail Berdin, c'est que la LNH a imposé des règles modifiées pour les statuts de recrues. Ils ont baissé un âge minimum pour jouer son premier match professionnel dans les rangs de la LNH pour garder le statut de recrue. Puisque dans le passé, le dernier à l'avoir eu, malgré un âge avancé, parce qu'il jouait lui aussi en Russie et s'est emmené dans la Ligue nationale à seulement 31 ans, tel que Stéphane le mentionne, eh bien, c'est Sergei Makarov. Il me semble bien que c'était Sergei Makarov. Et maintenant, c'est changé. Vermine? T'as pogné de la vermine? Portraits pour les Maple Leafs de Toronto, Mitch Marner. Tu vas parler de joueur, là. J'ai oublié son prénom. J'ai juste Mikhail. Je sais pas si c'est ça. Mikhail Vermin. Ah non, son prénom. OK. Hey boy, excuse-moi, il y a un lag. Il y a un lag, Jonathan. Je viens de comprendre. Tu parles de Mercedes, toi. OK. Je sais pas si c'est toi qui a un lag ou si c'est moi. Mais en effet, le joueur que je vous parlais tout à l'heure des White Sox de Chicago, c'est Yermin Mercedes. Rookie rétrospective ici, Jack Hughes pour les Devils du New Jersey.
Yermin Mercedes. T'as tout à fait raison. Je m'en rappelle plus. Son prénom, il ne me rentre pas dans la tête. Ça me fait justement penser à de la vermine. Prochain paca. On y va avec une NHL Worldwide. Ici de Austin Matthews. Austin Matthews, NHL Worldwide pour les Maple Leafs de Toronto. Je crois avoir repris le fil. Et oui, oui, Stéphane, nice one. Vraiment une bonne pêche, comme on dit. Bon hit pour les Sénateurs d'Ottawa. Avec une belle... Oh, on a une clear cut. Clear cut component. Je crois que c'est clear cut component. Alors, pas de jeune loup. Hey, c'est une solide boîte à date. Une des très, très belles que j'ai vues récemment. Allons-y, je mets mon doigt pour pas que la clear cut tombe. Alors, 1, 2, 3, et nous avons ici, elle est en dessous, excusez, je l'ai emmenée avec moi. Ah non, elle est en dessous de l'autre carte. Alors, prise 2. Voyons. Ah, ok. Genre, on va l'avoir, faux suspense. Alors là, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, boom pour les Oilers d'Edmonton. Kaboom! Bon, c'est pas un immense kaboom, mais c'en est un. Wayne Gretzky! Mais non, c'est pas vrai. Kevin Lowe et Paul Coffey. Je m'excuse, je voulais vous faire une fausse peur. Mais c'est bel et bien Kevin Lowe et Paul Coffey. Cup Components, clear cut pour les Oilers d'Edmonton de Marc-André. Alors, voilà, je vais juste pousser tranquillement sans... Voilà, je vous la remontre. Cup Component, Paul Coffey et Kevin Lowe. Avouez, hein? Ils ont le même casque. Kevin Lowe et Wayne Gretzky, dans cette époque-là, avaient le même casque. Mais c'est pas le même joueur. Mais c'est une solide boîte. J'ai rarement vu une boîte aussi remplie, où je voulais utiliser le terme, et je vais le faire, le jeu de mots, stack et... Ah, excusez-moi, elle était trop facile. Mais en effet, j'ai rarement vu une boîte de série 1, surtout en 2021, stackée comme ça. L'expression s'applique vraiment ici. Là. C'est... Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Wow. OK, c'est pas terminé. Hein. Il nous reste encore environ 8 ou 9 paquets. Elvis Merzlikins, Canvas pour les Blue Jackets de Columbus. Dans la boîte que je vous parlais de il y a deux jours, on a ouvert 3 variations françaises dans la même boîte. Oui, oui, 3 variations françaises. Malheureusement, pas de Young Gun, Jeune Loup, mais vraiment 3 variations françaises, donc des bases françaises. Ici, Predominant pour les Flyers de Philadelphie. Carter Hart, qui lui, j'espère, va revenir en force l'an prochain. Cette année, ça n'a pas été une excellente année pour lui. Ni pour les Flyers, bien sûr. On continue. Le prochain paquet devrait avoir une portrait ici de Jack Eichel. Jack Eichel pour les Sabres de Buffalo. Portraits. Je peux vous dire, j'en ai vu beaucoup, là, des erreurs et des boîtes un peu étranges. Surtout en 14-15. 14-15 était assez réputé pour avoir des boîtes un peu étranges. Et nous avons une autre Young Gun ici, de Michael DiPietro pour les Canucks de Vancouver. Et là, juste parce que tu me l'as demandé, mon Franco, tiens pour toi. Pietro. Écoute, c'est le troisième gardien dans la même boîte. C'est assez solide. C'est pas terminé. Je vous le dis, il reste encore 6 paquets. Et on est déjà rendu à 1, 2, 3, 4, 5 Young Gun. 2 Young Gun Canvas, une Clear Component, une Jersey. Et sans oublier notre jeune loup, là, bien sûr, de Jason Robertson. Alors, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Comme disait la chanson, c'est rien qu'un début. Adam Fox,
Adam Fox. Debut date ici pour les Rangers de New York. Alors, j'espère que je vous ai mis un peu dans le beat pour le restant des boîtes de cette édition 62. Dazzlers. Nous avons une Dazzlers. Et c'est Patrick Kane. Patrick Kane, est-ce que c'est bleu ou c'est mauve? Je vais y aller avec bleu. Pas mauve, c'est rose. L'autre couleur, c'est rose. Mais là, celle-là, je crois qu'elle est bleue. Est-ce que j'ai raison? Patrick Kane en bleu. Dazzlers pour les Blackhawks de Chicago. Patrick Kane. Pour les Blackhawks de Johan. On en continue. Il nous reste 5 paquets. 4 paquets. 4 paquets, excusez-moi. Une autre Young Gun. Allons-y, allons-y. Cette fois-ci, c'est Holly Yolevi. Vraiment, là, on a pas que les meilleurs, mais on en a beaucoup des bons joueurs de l'édition Série 1. Holly Yolevi. Là, t'as déjà eu ta tonne, là, mon Frank. Pas tout de suite. Si jamais on a un autre hit pour Vancouver, je vais te la remettre, mais pas pour Holly Yolevi. Alors, Young Gun ici, pour Vancouver. Holly Yolevi. On va le mettre ici, comme ça. Pas de version française. Pour ceux qui se le posent la question, des fois, non, pas deux fois, tout le temps. Tout le temps, je repasse les bases. Et si jamais il y avait une carte qui vous était due, qui j'ai dû passer devant pendant le break, ben faites-vous-en pas, je vous la mets quand même. Si jamais c'était une grosse carte qui en valait la peine, je vais même faire un post pour le dire, mais c'est pas arrivé. UD Canvas pour Washington, Jakub Vrana. Jakub Vrana, deux pacas. Et ensuite, on ouvre la boîte de série 2. Alors, nous y allons avec une NHL Worldwide pour les Penguins de Pittsburgh. Yevgeny Malkin. NHL Worldwide. Et on termine sur ce dernier paquet. On pourrait quasiment croire avec le panneau devant moi que j'ai déjà ouvert une demi-caisse. et non, ce n'est qu'une seule boîte. Et notre dernière carte pour cette première boîte, Connor McDavid, Portraits des Oilers. Edmonton, Connor McDavid. Une belle petite façon de conclure une boîte. Et non, je ne fais pas un wrap-up. Je fais tout simplement un constat incroyable. OK? On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 6 Young Guns. Di Pietro, Yolevi, Berdin, Kiefer Bellows, Ustimenko, Philippe Aubert. Quand même une belle brochette de recrues. Josh Norris, Young Gun Canvas et Jason Robertson. Deux Young Gun Canvas dans la même boîte. Jason Robertson, jeune Lou et une Cup Component. Wow. OK. Donc, je me remets de mes émotions. Je vous mets ça comme ça de côté. Parce qu'il nous reste encore 4 boîtes et ce n'est pas terminé. Hein? Mauvaise série. Ben, quelques années en retard pour la McDavid. Voilà. On y va avec notre deuxième qui est la 2021 série 2. Hobby Box. Un beau 12 et 24 paquets. Voilà. Boîte vide. C'est la bonne série. C'est juste pas la bonne année. Et c'est un départ. Est-ce qu'il y avait des matchs ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Il me semble qu'il y avait un match. Ça se peut-tu? Je veux dire Tampa qui jouait ce soir. Yuli Portraits Rookie Michael Di Pietro. Salut Tony. Michael Di Pietro Portraits Rookie pour Vancouver. Yes sir. Je sais pas si t'as vu le résultat, juste c'était la première boîte. Boston 1-0. Parfait, merci. Ah c'est ça. Quoi avec la Floride? Pour l'instant, la Floride est assez... Non, c'est assez tranquille, malheureusement, pour la Floride. Mais ça ne sera tardé. Pas mal certain. On y arrive. Joseph Woll, Marquee Rookie pour Toronto. Donc, OPG Update. Joseph Woll.
Alors malheureusement, c'est ouais, ça s'est fait assez discret au niveau des Panthers de la Floride. Mais le bon côté, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule boîte. Et dans la deuxième, tu pourrais te reprendre assez rapidement. Dylan Larkin, Canvas. Dylan Larkin pour les Red Wings de Détroit. Et une Dazzlers ici pour les Bruins de Boston. Elle aussi, elle doit être bleue. Je ne sais pas pourquoi dans Série 1, les Dazzlers sont pas mal toujours seuls. Et dans Série 2, sont toujours accompagnés d'une Canvas. Bref, pour les Bruins de Boston, Patrice Bergeron. Prochain paquet. Et on y va avec une autre Award Winner. Cette fois-ci, Award Winner de Kale Makar, gagnant du trophée Calder l'an dernier pour l'Avalanche du Colorado. Kale Makar. Allez, on y va. Prochain paquet, une autre. Oh, parlant des Panthers, fallait que t'arrives. Pas le plus gros, mais c'est un départ. Chase Prisky, Marky Rookie. Rétro. Pour les Panthers de la Floride, première carte, you're on the board. Pour les Panthers. Et mon chien vous fait dire bonjour, je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, ça doit faire au moins 4 fois que je l'entends japper. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui l'entend? Si oui, j'apprécierais. J'ai fait des tests de son, la plupart du temps, c'est quand même assez bon. Mais on sait jamais. Et pourquoi pas un 2 en 2? Yeah, un 2 en 2. Tony, il fallait vraiment que tu te joignes au break. Depuis que t'es là, t'es 2 en 2. Alors, Chase Prisky, Young Gun. Pour les Panthers de la Floride. Le numéro 22, Chase Prisky, Young Gun. Voilà. Ça ici, on met ça de côté. On y va-tu pour un tour de chapeau, un 3 en 3? On sait jamais, on sait jamais. Et... Non, Joel Kirivanta. Donc, pas 3 en 3, mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Joel Kirivanta, Yoli Portraits Rookie pour les Stars de Dallas. Ton chien avertit qu'un gros hit s'en vient. Ben, exactement. Exactement, elle le sent venir. Elle a le flair aiguisé pour détecter les gros hits. Quand je choisis les boîtes pour les breaks, c'est elle qui les sniffe et elle me dit il y a quelque chose de bon là-dedans. On y va. Portraits, pas Portraits du tout. OPC Update de Reed Duke, Marky Rookie pour Las Vegas. Il faut que je l'enlève de devant les boîtes parce que sinon, après les avoir sentis, elle veut les manger. Mais heureusement, c'est jamais arrivé. Elle n'a jamais mangé une carte, jamais mangé quoi que ce soit par rapport au hobby, au moins. Mais elle a déjà mangé d'autres choses un peu plus graves. Niklas Backstrom pour Washington Canvas. Ah, Stéphane. C'est vrai, les Rangers, ouais. T'as au moins eu... On peut dire que t'as au moins eu une carte. Au moins. Adam Fox, c'est pas un hit époustouflant, mais... Adam Fox, je crois que c'était une debut date. Mais ça ne sera tardé. Je te le promets. Il reste 3 autres boîtes. Et la moitié de celle-ci, alors, on ne sait jamais. Marky Rookie, Mackenzie Entwistle. Help EG Update. Mackenzie Entwistle. Pour les Blackhawks de Chicago. Prochain paquet. On y va avec une OPC rétro. De Braden Burke de l'Arizona. Braden Burke, Marky Rookie Rétro. Oups. 12e paquet. C'est mieux que rien, en effet. C'est mieux que rien. On a une Young Gun. Et derrière Sébastien Aho se cache Alexander Yalassine. Alexander Yalassine pour les Flames de Calgary de Marc-André. Excuse-moi, tantôt j'ai dit tôt, mais c'est peut-être ta. Ça ressemble à un A. Et dû à notre souci de confidentialité, eh bien, je ne vois juste que les deux premières lettres. Alors, je présume que c'est bien ta. Alors, Alexander Yalassine Young Gun pour les Flames. Un départ un peu moins fulgurant que notre boîte précédente. Mais on ne sait jamais. On pourrait avoir juste deux ou trois petites cartes intéressantes. Une
programme avec excellence, une retired, ou quelque chose comme une exclusive, une eyeglass, on sait pas. Clear Cut aussi pourrait survenir. Alors ici, on a une variante française derrière, Michael McNiven du Canadien de Montréal. Alors, Portraits Rookie pour le Canadien de Montréal, Michael McNiven, ainsi qu'une version française, version plutôt variante française de David Kemp des Blackhawks de Chicago. Alors, David Kemp au Chicago. Prochain paquet, on a une Young Gun. Une Young Gun ici de Kevin Lankinen. Alors, Young Gun de Kevin Lankinen pour Chicago encore. Ah, c'est Chicago qui prend la relève. Alors, c'est 2 en 2. Ouais, 2 en 2 pour Chicago avec le gardien recrue Kevin Lankinen. C'en est un autre, ça, je pense, qui est plus jeune. Là. Il me semble que lui aussi, hein, Helsinki, 95, c'est ça, il a eu 26 ans. Alors, un autre gardien un peu âgé, Kevin Lankinen. Il n'a pas eu des stats, disons, exceptionnelles, mais il a donné un sacré bon coup de main aux Blackhawks de Chicago pendant un certain moment. Disons que Malcolm Subban n'a pas... était pas tout feu tout flamme, mettons. Et je reste poli. On a... Oh! Programme avec excellence ici. Oh, Jonathan Taves! Oh! Jonathan Taves! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jonathan Taves? Team Canada! Programme avec excellence. Et c'est pour nécessairement les Blackhawks de Chicago. C'est la première que j'ai cette année, programme avec excellence, entre mes mains. Alors, c'est quand même pas rien, mais on parle bel et bien ici de Jonathan Taves, le joueur manitobain appartenant aux Blackhawks de Chicago. Alors, UD Canvas, programme avec excellence. Jonathan Taves, je m'attendais pas pantoute à Jonathan Taves. Eh bien, programme avec excellence ici pour les Blackhawks de Chicago. Je m'attendais plus à un joueur recru de cette année-là. C'est plus ça que je suis surpris. Exemple, un Lafrenière. Peut-être qu'il en manquait cette année, vu que c'est tous à peu près des Finlandais, des Suédois. Ou... puis là, ils ont dit, on n'a pas assez de joueurs. Puis bon, ben là, je l'ai vu, je suis désolé. Mais je pense qu'on va avoir droit à un boom, là. Je pense qu'on va avoir droit à un boom, tout le monde. C'était juste, les cartes sur le dessus sont un peu collées. Alors voilà. Je vous l'annonce sans primeur. Ceux qui l'ont vu, ben, pas de surprise. Sinon, ben, ah ouais, donc. Ah ouais, donc. Eh oui, boum! Kirill Kaprizov pour les Wild. Excusez-moi, je reprends ça. Pour le Wild du Minnesota, Jonathan. Boum! L'autre candidat au recrue de l'année, Trophy Calder, Kirill Kaprizov. Oh yeah. Kirill Kaprizov, Young Gun. Et voilà. Félicitations, Jonathan. Wow. Jonathan. Bravo, bravo, bravo. Une autre belle Young Gun ce soir dans notre break. Écoute, deux belles boîtes à date. Et on en est qu'à la deuxième. En tout cas, la tune, c'est pas la meilleure, celle du Wild, mais elle bat certainement celle des Maple Leafs de Toronto. Désolé pour les fans des Maple Leafs, mais... chanson de fête quand un but est compté, là, c'est pas très festif. La prochaine carte, en attendant que la chanson se termine ici, c'est une Rookie Materials, Connor Ingram pour les Preds de Nashville. Alors, tu vois, Frank, t'avais raison, il y avait bel et bien un beau hit, mon chien a jappé un petit peu avant et c'est ce qu'elle annonçait. Wouf, wouf, un gros hit pour Jonathan, Kirill Kaprizov. Yes, sir! Rookie Materials Jersey de Connor Ingram. Connor Ingram. Voilà.
Et derrière, si on avait deux bases de Sergachev et Zach Aston-Reese. On continue. Parce que c'est pas tout. Mais non, il en reste encore 7 paquets si mon compte est bon. Marky Rookie, ici pour les Stars de Dallas. OPG Update. Jake Oettinger, pour les Stars. Jake Oettinger. Ensuite, le prochain paca. Je le rappelle en passant à tous ceux qui sont présentement en direct que si vous n'étiez pas là au tout début, alors je vais faire deux retours, en fait, deux rappels. Juste à temps pour dire le Portraits Rookie de Mackenzie Entwistle pour les Blackhawks de Chicago. Alors nous avons le break numéro 65-6-5-6-5. Baseball prévu pour 9h30, 21h30. Et prêt en plein, pas plein. Alors, si jamais vous voulez une place, le break coûte 27$ chaque place. Naturellement, plus taxes. Malheureusement, on paye des taxes au Québec. Et pour le prochain Young Gun, ici, nous avons une Dannon Chatfield pour Vancouver. Alors, le break est prévu à 100% certain à 21h30. Il devrait suivre celui-ci. Break à 27$ chaque place, 30 places, total 4 boîtes, alors un total de 14 autographes de prospects ou de recrues. Déjà 2 spots, yes, c'est bon ça mon Stéphane. Alors Jalen Chatfield Young Gun pour les Canucks de Vancouver. La deuxième chose que je voulais vous rappeler, et oui, avant que quelqu'un de nouveau qui commence à regarder la vidéo ne le redise ou le répète, et ou tout simplement que vous ne le saviez pas parce que vous venez d'arriver, vous avez une dure journée, bien oui, Mark Scheifele suspendu, 4 matchs. Ryan Ellis, canvas pour les Preds de Nashville. Ryan Ellis, canvas. Alors, je vous le dis, il y a de la valeur potentielle dans ce break de baseball. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous ne voulez pas. Si vous ne connaissez pas ça, bien, venez nous regarder en direct. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir quand même. Et la prochaine Young Gun, c'est tout, il y en a plein encore dans cette boîte-là ici. Brandon Hagel, j'ai l'impression qu'il y a comme 12 Young Guns juste dans cette boîte-là. Brandon Hagel, Young Gun, encore une fois pour tout le monde en cœur. Oui, oui, les Blackhawks. Pourri. Ben, écoute, je suis tenté de te dire que tu as 100% raison. Bien sûr, un bon breuvage festif, mon Jonathan, ça c'est garanti. En plus, je pense que tu as vu ce que tu viens d'avoir, là, si je ne me trompe pas. Hein? Tu l'as vu, là. Hein? Et ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est pas. Écoute, je peux pas dire que c'est grave, je peux pas dire que c'est pas grave, mais c'est quand même très grave, on s'entend. Là, c'est une sentence correcte, mais pas assez sévère en même temps pour la gravité du geste, à mon avis. Alors, nous avons une exclusive. Et si je ne me trompe pas, c'est-tu une française? Non, ok, c'est beau. C'est pas une française exclusive. C'est juste une base exclusive ici pour les Kings de Los Angeles. Michael Amadio. Michael Amadio pour les Kings de Florence. En Florence, ici, une belle Michael Amadio, numéroté la 27 sur 100. Exclusive pour les Kings. Mon point est... pas que 4 c'est assez ou pas assez, je débattrai pas de la durée parce que juste de moi ça serait plus, mais d'un autre côté ils doivent pas prendre une décision basée uniquement sur comment dire l'état du joueur après l'événement. Et je dis pas que c'est pas grave, mais pas du tout. Dylan Coughlin, OPG, Marky Rookie Update, Blue Parallèle, c'est pour Las Vegas. Mon point est juste de dire que oui, 4 matchs, ça semble très très peu. Je confirme que c'est quand même quelque chose que je n'aurais pas pensé. Je me serais dit qu'au moins, tu sais, on aurait dit au moins la série, non pas un chiffre. Donc la série, si la série se finit en 4, il s'en va, bye bye, bye bye, ciao ciao. Mais si on s'en va en 7,
Il peut revenir, puis ça peut être un game changer, autant d'un sens que de l'autre, dans le sens où s'il arrive, puis le Canadien veut vraiment pas perdre, puis ils doivent gagner un match, ils vont faire exprès de pas prendre de punition s'il revient pour le match numéro 6. Donc, je trouve ça un peu bizarrement fait, en effet. J'aurais dit la série, puis si ça se finit en 4, ben tant pis. Attends, l'autographe, es-tu le premier paquet? On va l'essayer, OK? Je vais prendre le dernier paquet ici, puis le dernier en dessous, puis je vais le mettre là. Si j'ai raison, l'autographe est en bas, dernier paquet. Sinon, ben, on l'aura au hasard. Alors, bonne chance pour la OPG Platinum. Eh bien, on a tout de suite, en partant, une Capo Caco, Marky Rookie pour les Rangers, et une Nico Sturm, Marky Rookie Red. Alors, Marky Rookie Red Prism sur 199 pour... le Wild du Minnesota sur 199. Ouais, mais... tu sais, écoute, j'ai réfléchi depuis hier. Hier, j'étais aussi fâché. Je critiquais beaucoup. Donc, Nico Sturm, Marky Rookie Red Prism. Et je sais pas dire que la décision de 4 matchs est bonne. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on a vu des gestes pire, moins puni, et des gestes moins pires, plus punis. Je vous ramène juste un peu dans le temps ceux qui ont suivi un peu l'évolution des nouvelles aujourd'hui. Ils ont ramené l'histoire de Dale Hunter en 93 qui avait smashé Pierre Turgeon dans la bande après son but en troisième période quand c'était genre 4-1. Je vais juste ouvrir le paquet avant de continuer. Alors, on a une Joël L'Espérance pour les Stars de Dallas, Marky Rookie, ainsi qu'une Patrick Kane, Best in the World pour les Blackhawks de Chicago. Et ce geste lui avait valu 21 matchs de suspension. Dale Hunter en 93 avec les Caps de Washington. C'est un récidiviste. C'est surtout la raison. Tarot Heroes pour les Red Wings de Détroit, Marky Rookie. Et encore une fois, je vous assure, je le défends. Personne, il n'y a rien, à mon avis, qui justifie d'utiliser la violence dans des situations comme ça. Même si c'est un sport de contact, c'est pas justifié. Jack Hughes, rookie rétro pour les Devils du New Jersey. Le point est surtout que si l'intention réelle était de le blesser, il a réussi. Il a de l'assaut, il a carrément chargé. T'es sûr? T'es sûr, mon Frank? Je suis pas mal sûr. C'était pas en série, ça? Dale Hunter? Il me semble que c'était en série, mais je suis vraiment pas sûr. Écoute, tu as peut-être raison. Alors, Dominic Kubalik, Marky Rookie, c'est pour les Blackhawks de Chicago. Et je croyais qu'elle était d'une autre couleur. Mais non, Nathan MacKinnon pour l'Avalanche du Colorado. Trilling Finishes, MacKinnon pour le Colorado. C'était, je suis pas mal sûr que c'était en série, moi. C'était dans un match assez important en série. Puis j'ai revu la séquence hier, puis tout le monde avait des... dans les bancs, là, il y avait tous des petits... Mais exact, la suspension a été de 21 matchs. Et tous les matchs manqués en série parce que son équipe a joué ont compté dans les 21. Et la balance a été reprise en début de saison suivante. Tobias Bjornfot pour les Kings de Los Angeles, Marky Rookie. On a une Nazem Kadri, qui est une, je l'ai dit, Refractor. Rainbow. Refractor, c'est au baseball. Nazem Kadri pour Colorado. Et une base ici, Brandon Saad. Par contre, Stéphane, le point que Stéphane dit, pour ceux qui ne voient pas la plateforme de YouTube, il dit que le rugby, c'est un sport de contact. Au moins aussi violent que le hockey, ce qui est tout à fait vrai. Tu as tout à fait raison. Et les sanctions sont vraiment plus sévères, en effet. Je te donne 100% raison là-dessus, sauf que c'est majoritairement européen ou asiatique, hein, le rugby. Henders Lee, rétro pour les Islanders, et nous avons rien d'autre, excusez-moi, deux bases. Et la culture européenne et asiatique est vraiment sévère. En Amérique, on a l'habitude de tolérer jusqu'à un certain terme la violence, ce que je ne prône pas du tout, mais bon. David Pasternak pour les Bruins de Boston. Sunset, deux par boîte, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Parce que, tu sais, comment je peux dire, hockey, à une certaine époque, là, en reculant d'à peu près 30-40 ans, les batailles, c'était même jusque dans foule, puis c'était terrible. C'était vraiment terrible. Fait que c'était un peu comme dans les mœurs, malgré que c'est pas correct. Jesper Bockvist, marqué rookie pour les Devils du New Jersey. Puis en Europe, ce genre de sport-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un respect qui s'installe. Marc-André Fleury, Golden Knights, Vegas Retro. Et ce respect-là, quand on en déroge, ben c'est là que les suspensions sont plus sévères. Par contre, c'est pas normal dans ces pays ou dans ces ligues-là d'avoir un comportement violent autre que de se frapper sur le but du sport. Victor Olofsson pour les Sabres de Buffalo, marqué rookie. On a une Claude Giroux Rainbow pour Philadelphie. En fait, j'ai juste validé. Ouais, c'est ça, c'est juste une rainbow. Parce que je sais qu'il existe des variations où les joueurs sont habillés en chandail All-Star, je pense, c'est noir. Ça, par contre, t'as raison aussi, également. Ça, je te donne tout à fait raison. Les sanctions ont évolué au rugby. Au hockey, vraiment pas. Ça, on va se le dire, ça a vraiment pas évolué. Quand on regarde le geste de Dale Hunter en 93 sur Pierre Turgeon, on se dit, c'était pas si grave. Ce qui est grave, c'est surtout le contact, le moment du contact. Cal McCarr, marqué rookie ici pour l'Avalanche du Colorado. C'est vraiment le moment du contact. Il a carrément plaqué le Turgeon. Il n'était pas en équilibre. Il festoyait après un but. C'était inutile. Il n'avait pas à frapper le joueur après le but. Donc, dans ce cas-ci, c'était surtout ça. Et Dale Hunter était un multi-récidiviste. Donc, c'est surtout pour ça que la sanction était aussi lourde. Mais non, on n'a pas à retourner très, très loin derrière. Je pense que c'est l'an dernier. Alors, Nico Hischier, excusez-moi, je parle beaucoup. Hein. Red Prism, Nico Hischier, pour les Devils du New Jersey, numéroté sur 199. Je vais essayer de conclure un peu sur ça et un petit peu me concentrer sur vos paquets. C'est que ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que c'est le moment. Ça n'avait pas de classe. Il venait de compter un but. L'arrêt de jeu était là. Barrett Hayton pour l'Arizona, marqué rookie. On a une Eric Brandstrom, Refractor Retro pour les Sénateurs d'Ottawa. Refractor Retro pour les Sénateurs d'Ottawa. Exact. Puis c'est après à peu près ça que je voulais en venir. C'est que c'est une frustration de Dale Hunter, mais Dale Hunter, c'est un agitateur. Okay? C'est un centre, puis en même temps, c'est un agitateur. C'est son style de jeu. Il a fait des choses comme ça souvent dans sa vie. Mark Scheifele, c'est pas son genre. C'est vraiment pas son genre, mais ça faisait plusieurs séquences qu'il était. Il était découragé. On le voyait, là. Dante Fabro, marqué rookie. Et on a une belle Nick Suzuki Retro pour Montréal. Une belle petite carte, ça, pour le Canadien de Montréal. Nick Suzuki. Je tiens juste à faire un petite parenthèse. Hein. Ceux qui ne connaissent pas beaucoup le OPG Platinum, les cartes considérées comme des vraies recrues dans le OPG Platinum sont bel et bien les rétros. Parce que les rétros portent la mention recrue. Tandis que les bases, le set de base, porte le nom Marky Rookie. Et oui, c'est écrit rookie, mais c'est pas des entre guillemets true rookie, appelons ça comme ça, pour le set. Donc, c'est vraiment les rétros qui sont considérés comme la rookie officielle et les autographes. Oh, on a ici Carl Grundstrom derrière Connor McDavid. Carl Grundstrom ici, une rainbow. Alors, tout ça pour dire que c'est tout à fait vrai. Je pense que le geste impuni de Scheifele hier. Le cross-check là, en arrière de la tête, je pense que c'était Ben Sherratt. C'est un cross-check vraiment sévère en arrière de la tête. Il n'a pas été puni du tout. Les arbitres n'ont rien dit, n'ont rien fait. John Gibson, rétro pour les Ducks d'Anaheim. Ben, ça a probablement alimenté la frustration de Mark Scheifele. Puis quand il a dit « Ah, ça y est, il va compter, je vais le faire payer », il n'a pas voulu le blesser, le faire mal, mais... Il l'a bien, disons-le, là, en bon français, il l'a bien pincé. Puis c'est là que j'en arrive. Son geste, c'était pas de le buter à tout prix, mais c'était trop.
ça avait pas sa place. Il n'y avait pas à faire ça. Il aurait pu se plonger à terre, puis ça aurait pu être à la limite plus facile d'enlever la rondelle. Nico Sturm, Mark Hirooki. Oh, on a ici une couleur que je vois pas. Est-ce que c'est rose? Matte Pink. Hey, je m'en viens bon. Matte Pink. Steven Stamkos. Les Matte Pink ne sont pas numérotés. Alors, pour le Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos. Matte Pink. Mais j'y trouve cool parce que le maté ici, justement, qui n'est pas pink, il est vraiment comme un fini métal. Ils sont vraiment belles. J'aime bien les pink, même si c'est rose. Quoique le rose, c'est rose. C'est une couleur. C'est pas, on devrait pas dire que rose, c'est juste pour les filles. C'est une couleur. C'est non. C'est, tout le monde a le droit de porter du rose. On enchaîne avec une Erik Brännström pour les Sénateurs d'Ottawa. Antti Raanta rétro pour l'Arizona. Alors, en effet, je suis entièrement d'accord avec toi, mon Stéphane. Geste purement de frustration. Ça aurait pu être contrôlé à un certain moment. Ça ne l'a pas été. Et je crois qu'on a l'autographe qui est une redemption. Alors, je vais vous la garder étant donné qu'il reste seulement 4 paquets à côté. On va aller voir. Ça m'étonnerait qu'il y ait 2 autographes. C'est très rare. Très, très, très rare. Ça peut arriver. Depuis 16-17, là, c'est des une autographe. Donc, P.K. Subban, Rainbow pour les Devils de New Jersey. Mais j'ai déjà vu en 18-19 des boîtes à 2 autos. Ça peut arriver quand il y a une redemption. David Gustafsson pour les Jets de Winnipeg. Et on a une Calder Front Runner de Jack Hughes. Ah, c'est vrai, c'est une insert, ça, ici. Donc, Calder Front Runners pour les Devils de New Jersey. Jack Hughes. L'avant-dernier paquet. Alors, revenons à nous, la suspension. Ouais, c'est ça. Je relisais ton message, Marc-André. Exactement. On a une Trevor Moore, Mark Hirooki pour Toronto. Une Sunset de Cam Fowler pour les Ducks d'Anaheim. Et on termine avec le dernier paquet. Et nous avons dans le dernier paquet, Mark Hirooki, Emil Bemström pour Columbus. Henrik Lundqvist Rainbow pour les Rangers de New York et 2 bases de fin de PACA. Et nous avons ici une Redemption. Donc, assurons-nous que tout le monde voit. C'est fait. Et voilà. Alors, on y va. Nous y allons, excusez-moi, avec une Platinum Rookie. Autograph, pas numéroté. Noah Dobson pour les Islanders. Alors, Noah Dobson pour les Islanders de Marc-André. Autograph rookie pour les Islanders. Alors, voilà, Noah Dobson. OPG Platinum rookie autographe non numéroté. Et la carte porte le numéro R-ND pour Noah Dobson. Félicitations à Marc-André. Et on va aller faire la SPA. On va terminer avec la SP Game Use. Alors, allons-y. Oh! Je tiens à vous montrer quelque chose. Je ne l'avais pas vu. C'est clairement non intentionnel. Les fans de chiffres seront heureux de voir que la boîte sélectionnée au hasard ici porte le numéro 34-97, ce qui veut dire Austin Matthews et Connor McDavid. Oh, est-ce que c'est un signe? Alors voilà, la boîte est vide. 18 paquets. SP authentique, 19-20. En théorie, 2 autographes, dont potentiellement au moins une Future Watch autographe. Là, c'est un départ avec Authentic Moments. Une boîte de golf, Alex Ovechkin, Authentic Moment pour les, ce que je trouve drôle, les Caps de Washington. Est drôle, ouais. Est tout à fait légitime et legit. Gabriel Landeskog, NHL All-Star Update pour le Colorado. Je vais les mettre par-dessus ici. Hey, potentiellement, Adam Fox est dans les boîtes. Hein. Adam Fox se vend très bien. Sa Future Watch se vend bien. Alexander Barkov, SP Essential pour les Panthers de la Floride.
Si je sors une carte avec un joueur qui joue au golf, là, sérieusement, je vais la trouver très drôle. Oh ben tiens, hein, pourquoi pas en parlant. Joueur de golf, Spectrum FX, Austin Matthews, des Maple Leafs de Toronto. 19-20 avec les Rangers. Ouais, il y avait Adam Fox. Et je pense qu'il y avait un autre joueur que j'oublie son nom. Ah, on a une autographe. Allons-y tout de suite. On va aller voir c'est qui l'autographe. Donc, derrière, Duncan Keith a caché une autographe sur le sens comme ça, ce qui veut dire que ça devrait être une Sign of the Times. C'est une Sign of the Times de Bernie Nichols. Bernie Nichols pour les Kings de Los Angeles. Alors, Bernie Nichols, Sign of the Times pour les Kings. C'est drôle, j'ai tellement aucun souvenir d'avoir vu Bernie Nichols jouer avec les Kings. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça ne fit pas. Mais il doit avoir joué là, une carte à l'effigie de cette équipe-là. Hein? Sign of the Times, excusez, j'étais tout crush. Bernie Nichols, Sutton Bidden, Sign of the Times, pour les Kings de Los Angeles. On va avoir une autre autographe qui devrait être une Future Watch autographe. On continue. Et elle est déjà là, donc je ne veux pas gâcher la surprise. Si on a une autre auto, c'est qu'il y en aura trois. Alors, ben, là, on la regardera. Alors, on continue. On continue avec une update. Blake Coleman pour le Lightning de Tampa Bay. Blake Coleman. Prochain paca. On y va avec... Oh, là, voilà. Il y en a une autre. C'est peut-être pas une Future Watch auto, par exemple. Non, ça n'est pas une auto, ça. Cale Fleury. Ah, puis on a une Limited, voyez-vous. Pour le Canadien de Montréal, ici, Carey Price. On le voit ici dans le bas, Limited. Dans le temps, c'était les Red parallèles. Et ici, on a une Future Watch non autographiée de Cale Fleury. Et non pas Cale Makar. Malheureusement, pour l'Avalanche, c'est Cale Fleury. Donc, la 201 sur 999 pour le Canadien de Montréal de Jeff. Cale Fleury. Pour Montréal. Et des bases de fin de paquet. On continue. Prochain paquet. Alors, on a le Spectrum FX. Nathan MacKinnon. D'habitude, il y en a deux, mais une rookie puis une vétéran. Alors, Nathan MacKinnon. Spectrum FX pour l'Avalanche du Colorado. Prochain paquet ici, on a une Authentic Moments pour le Canadien de Montréal, Ryan Pelling. Avec Ryan Lindgren. Donc, Ryan Pelling, Authentic Moment pour le Canadien de Montréal. On continue. Une Young Gun de Cale Clagg. Clagg. On dirait que j'ai pas postionné, mais on aurait dit que j'aurais postionné à l'avoir dit... plus fort, Cale Clagg pour les Kings de Los Angeles. Young Gun. Ah oui, il y a des Young Guns dans les SP authentiques. Je ne sais pas, c'est toujours la même quantité. Toujours autour de 8 de mémoire. Donc, Cale Clagg, Young Gun pour les Kings de Los Angeles. Voilà, notre 18, ce qui veut dire 6, 12, 12e pack. Hein? On y va ici avec une SP Essential pour Montréal. Carey Price pour le Canadien de Montréal. Avec une base de Jesperi Kotkaniemi derrière. Et naturellement, je porte fièrement le numéro 31 ce soir en signe de mon support pour l'équipe. Et nous y allons avec une Matthew Barzal pour les Islanders NHL All-Star Update. Upper Deck. Notre decoy. Une limited ici de Duncan Keith pour les Blackhawks de Chicago. Duncan Keith. Il reste 4 paquets avant de les dévoiler. Laquelle est quel joueur a signé sur la carte Future Watch?
Jake DeBrusk Limited pour les Bruins de Boston. Reste 3 paquets. Est-ce que ce sera pour les Rangers, l'Avalanche, Montréal? On ne sait pas. Quel suspense. Quel suspense. Authentic Moments. Cody Glass pour Vegas. On les oublie des fois à Vegas, mais ils sont là. Il y a des joueurs, des bons joueurs. Cody Glass en est un bel exemple. Jeune joueur intéressant à suivre. On y va ensuite avec une update. Alexander Georgiev. Georgiev pour les Rangers de New York. Base update, upper deck et le dernier paquet. Avant d'aller voir notre Future Watch. Come on, allons-y. On a une SP Essential aussi de Jack Eichel pour les Sabres de Buffalo. Jack Eichel, SP Essential. Allons-y, dévoilons le joueur. Et sans plus tarder, d'un coup comme ça, paf, Brady Keeper, Future Watch autographe pour les Panthers de la Floride. Brady Keeper, notre Manitobain. Manitoba. Manitoba, du Manitoba. Brady Keeper pour les Panthers. Frank, tu caches mon chat quand tu fais ça. Alors, Brady Keeper Future Watch autographe ici sur 999. Notre deuxième auto SPA et la dernière boîte, dis-je, la cinquième. Le temps que je vous rappelle que le break baseball est prévu pour 21h30, ce qui veut dire donc dans 17 minutes, on devrait être bon dans le timing. On y va avec une boîte vide. Voilà. Ben, vu ça. Ok, Decoy, come on. 6 cartes, donc 4 premium qu'il est indiqué sur le paquet. Voilà, voilà, voilà. Alors, 6 cartes, généralement 2 bases et 4 premium. Et c'est un départ avec une Chase Prisky, numérotée sur 299 pour les Panthers. Alors, les Panthers terminent le SPA et débutent le SP Game Use. Chase Prisky sur 299, la 30 de 299. La prochaine ici. Oh, pour les Hurricanes, Andrei Svechnikov. Et ça, c'est vraiment cocasse. D'après moi, il y a une carte à quelque part dans une boîte de Andrei Svechnikov qui manque un numéro. Il faut vraiment que je vous montre ça. Regardez bien comme il faut, là. On voit 04 de 37. Est-ce que vous voyez? Il y a 03 ici. 03 de 37 est là. Fait qu'on voit 04 et 03. Je vais essayer de vous mettre ça sur le côté. C'est vraiment drôle. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors, jetez un petit coup d'œil sur la carte. Je sais qu'elle n'est pas dans le bon sens, mais regardez la numérotation, on voit bien le 3 dessous le 4. C'est quand même assez cocasse. On continue avec la prochaine ici de Tristan Jarry. Tristan Jarry. One of one. C'est la 3-4. La 3-4 de 34. C'est de 37, je m'excuse. Tristan Jarry, First Year All-Star. All-Star Skills Fabrics pour les Penguins de Pittsburgh. Prochaine carte ici, Jason Robertson pour les Stars de Dallas. Donc Jason Robertson, Authentic Rookie Jersey pour les Stars. Allez, rentre, voilà. Jersey pour Dallas, Jason Robertson. Bref, moi je trouve ça vraiment cocasse. En effet, ça pourrait facilement être une belle one of one. On le voit très très bien. C'est vraiment écrit 03-37, puis là c'est 04-37. On a comme mis du liquid pepper, puis ça transparaît. Alors quand même, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une true base, même si c'est un terme qui n'existe pas. Plutôt une base numérotée sur le numéro du joueur. Je ne sais pas s'il faut dire silver ou...
Bref. Là, il reste deux cartes. Deux cartes. Ça devrait être une autographe. Et celle-là, elle est mince un peu. Ben écoutez, on va aller voir celle-ci. Pierre-Olivier Joseph pour les Penguins de Pittsburgh Jersey. Authentic Rookie. Pierre-Olivier Joseph. Voilà. Pour les Penguins de Pittsburgh. Et la dernière carte de ce break ici devrait être une carte numérotée. Et peut-être pas numérotée, mais au moins autographiée. Alors, on y va. 1, 2, 3. Et c'est Shea Theodore. Shea Theodore. Alors, ce n'est même pas une update. Je pensais que c'était une update. Et non. Shea Theodore pour Las Vegas. Remporte la mise sur la dernière carte de ce break. Voilà. Shea Theodore pour Las Vegas de Johan. Alors, Blue Autographe, Shea Theodore. Allons faire un récapitulatif ici. Voilà, comme ça ici, comme ça, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Alors, récapitulatif ici. On y va. C'est un départ. Alors, Pierre-Olivier Joseph, Authentic Rookie Jersey. À tantôt, Stéphane. Andrei Svechnikov sur 37. Jason Robertson, Dallas. Tristan Jarry, Pittsburgh. Chase Prisky, 299 pour les Panthers. Cal Clagg pour les... j'allais dire les Dodgers. Les Kings. Cal Fleury, Montréal. Future Watch. Pas auto sur 999. Matty Pink, Stamkos. Nick Suzuki, Retro Rookie. Nico Hischier sur 199. Jack Hughes, Retro Rookie. Nico Sturm, Red Prism sur 199. Pour Minnesota, exclusif sur 100, Michael Amario pour les Kings, Brendan Hagel, Young Gun, Chatfield, Young Gun pour Vancouver, Connor Ingram, Rookie Materials, les Preds, Lankinen, Young Gun pour Chicago, Alexander Yelesin pour Calgary, Chase Prisky, Young Gun pour Floride, Michael DiPietro, Young Gun et Oli Yolevi pour Vancouver, les deux, Mikhail Berdin, les Jets, Kiefer Bellows, pour les Islanders, Kirill Ustimenko, Young Gun, et Philippe Broberg pour les Oilers d'Edmonton. Patrick King, Dazzlers. On a une Gustav Nyquist pour Columbus. Autographe ici, Bernie Nichols pour les Kings de Los Angeles, Brady Keeper. Pour les Panthers sur 999, Shea Theodore Otto pour Vegas. Redemption, Noah Dobson. Autographe OPG Platinum Rookie. Cup Component pour les Oilers d'Edmonton, Kevin Lowe et Paul Coffey. Programme avec excellence ici de Jonathan Toews pour les Blackhawks. Josh Norris, Young Gun Canvas pour Ottawa. Jason Robertson, Young Gun Canvas pour Dallas. Toujours pour Dallas, sera en dessous. Mais Kirill Kaprizov, Young Gun pour le Minnesota. Et Robertson, jeune Lou pour Dallas. Félicitations aux Stars qui, ma foi, un solid break. Alors Pierre-Yves, félicitations. Très très bon break pour toi. Alors, voilà, c'est ce qui met fin à notre break numéro 62. Nous serons de retour live dans environ une dizaine de minutes pour le break numéro 65, baseball. Alors, CPH qui vous dit de passer une bonne fin de soirée, au plaisir de vous revoir dans quelques minutes. Et restez en santé, tout va bien. Et on se revoit dans très peu de temps pour le break numéro 65. À bientôt, au revoir.